Et oui, bienvenue dans les streams tardifs de The Big Game of Ski. On continue, alors c'est le nom officiel de la chaîne maintenant. Hein. Accrochez à ça, The Big Game of Ski, c'est vraiment le nom officiel de ce canal. Accrochez-vous à vos sièges, on va faire une petite ingurgitation forcée de boulettes à cette heure complètement indécente de la nuit, parce que c'est comme ça, j'ai envie, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'on explore ce soir? Ascension, table magique, téléportation. Un jeu de 1990. Ça y ressemble, ça a bien la patine. Fait par qui? Alors là, visuellement, je ne saurais pas vous le dire. Le suspense est à son apogée. Je vais juste baisser le son parce que je sens qu'il va vite nous horripiler. Voilà. Bien mieux. Blast Off par Namco. En fait, non, Namco, j'allais m'emballer, mais Namco, quand même, c'est une boîte qui est capable de vous faire le pire comme le meilleur, et réciproquement. Allez, on n'y tient plus trop de suspense, on y va, je sens que ça sent le shoot familial, en fait, hein, très honnêtement. Piu, piu, piu. Je rappelle pour les gens qui suivent la chaîne, vous avez une playlist avec tous les shmups qui y sont isolés. Ce qui vous permet d'éviter de vous tartiner les autres streams qui ne vous intéressent peut-être pas. Et pour les fous furieux, bah, vous avez la liste intégrale qui contient tous les jeux qui ont été streamés. Bon courage, je sais pas pour combien de temps vous en avez à tout regarder, mais ça commence à faire une belle collection, il me semble. Bon, pour l'instant, on verra. On observe qu'on a du pattern quand même massif et original. Oh, j'ai fait de me prendre. J'aurais bien un bonus parce qu'il est sympa ce tir, il couvre bien, mais je pense qu'il va arriver à un niveau de satisfaction qui fait que je vais appeler le service clientèle. Bon, je contourne. Ah, mais on tire par derrière, ok. J'ai peut-être un deuxième bouton que je n'ai pas essayé encore, mais je me le garde sous la main, ça s'appelle une main. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame, je ne comprends pas ce que vous me dites. Quand, quoi? Mets de la pommade! Non, mais je vais appuyer sur le deuxième bouton, on verra bien ce que ça fait. Ah, bah ça y est, ça change votre tir. Ma timidité aurait pu m'être fatale. Merde. Putain, c'est dur de ne pas se jeter dessus quand c'est à l'envers. J'ai pas con. Il y aura une signification. Oula, non, à cette heure-là, ça fait beaucoup trop d'informations pour un cerveau qui est tel que le mien, et ça va être très très compliqué. Il y a un truc qui serait sympa, je viens de remarquer, c'est que je vous parle avec le micro qui est à 20 km depuis tout à l'heure. Or, si je le positionnais au bon endroit, ce serait beaucoup mieux, n'est-ce pas? On retente. Bizarre, 1989, il existait quand même des jeux plus amusants. On va voir où il nous mène avec son tir à géométrie variable. Alors, ce qui est rigolo dans les shoots, enfin dans tous les jeux de toute façon, dans les jeux d'époque d'arcade qui étaient très, enfin un peu bâclés, c'est que forcément le programmeur, enfin les programmeurs, enfin non le, parce que c'était quand même pas des équipes de 100 000 personnes comme aujourd'hui, tout ça pour se remplir les poches, le programmeur était souvent persuadé que ce qu'il faisait afficher à l'écran serait compréhensible du premier coup et qu'on pourrait assimiler tout de suite la fonction de quelque chose juste à son aspect. Oh mon Dieu, quelle incommensurable erreur! Parce que comme vous le voyez, il y a des tas de choses où je pige pas vraiment où ça veut en venir. Notamment les petits trucs jaunes qui sont tombés tout à l'heure. Qui m'ont emmerdé un petit peu d'ailleurs. Voilà ça. Est-ce que je dois y ramasser ou pas? Non, faut pas tirer, monsieur, là-dessus, on vous a dit. Si tu repars en arrière à chaque fois, t'as l'air trop nigaud. Oh, c'est encore mieux ça! Ouais, pomme de. Pomme, pomme, pomme. Oh, putain, c'est quoi ces tirs? En fait, j'ai une combinaison de tirs qui est assez fabuleuse. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Et je reviens au normal. Ok. Je vais reprendre celui qui tire en arrière comme ça, là, il est pas mal. Ah oui, c'est efficace ça.
D'accord, donc ce serait la subtilité du jeu. Bon, en fait, il pourrait se faire sur un seul niveau, du coup. Aïe, aïe, aïe. La musique est rigolote. Peut-être changer de tir maintenant. Eh bien. Je prends tout le temps le mauvais tir au mauvais endroit, j'ai l'impression. Non. Vous n'avez pas cette impression, vous aussi? On n'ira pas beaucoup plus loin dans Blast Off. Hein. Ça sert à rien que je fasse un stream de une demi-heure sur ce jeu. Bon, c'est un petit jeu d'arcade 90s, purement évitable, mais qui peut faire partie d'une collection sans faire trop tâche dessus. Je vous retrouve tout de suite après. Je vais envoyer notre homme. On va essayer un autre truc. Je sais absolument pas quoi. Je vous fais même pas des bisous, tiens, pour la fin du stream. Et je vous dis qu'on ne parlera absolument pas de la numérotation inversée chez certains peuples. C'est super important.